Je crois en effet qu'il faut que Frédéric Mitterrand s'explique, mais que je chasse pour l'instant, il n'est inculpé de rien. Il a à répondre quelque chose qu'il dit lui-même être abominablement immoral. Donc c'est à lui d'exprimer sa vérité sur ces sujets. Ce n'est pas à moi de faire un commentaire sur des choses qu'il a racontées, qui sont peut-être d'ailleurs des récits autobiographiques romancés, je ne connais pas le détail. Ce qu'il dit dans son livre, autant que je le sache, c'est une manière de vivre une sexualité très libre dans des voyages, que je sache avec des adultes. C'est à lui de répondre à la question que vous posez. Je ne suis pas le censeur moral de Frédéric Mitterrand et je ne souhaite pas l'être d'ailleurs. Je crois que le président de la République répondra comme moi que dans cette affaire, ce n'est pas le ministre qui est en cause, mais la vie privée d'un homme, et que sur ce sujet, seul cet homme peut répondre.